Les amis, est-ce que vous allez bien? Moi ça va, je voulais vous partager ma bonne humeur les gars. J'espère en tout cas que vous allez très bien aujourd'hui, que vous pétez la forme et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce qui me met dans des états pareils? Les amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais faire un meeting. What the fuck? Les potes, vous allez pouvoir me rencontrer. Oh non, mais soyez pas dégoûtés, genre attendez, j'ai même pas encore commencé. Vous allez pouvoir me rencontrer et passer une soirée avec moi et d'autres youtubeurs. Ultra chill posé, on va faire du bowling, on va faire la fête, mec. Et ça se fera via Meetfluencer, qui est en gros un bail pour que l'éclateur fasse des soirées et des événements avec la communauté. Le 28 mai, en tout cas, moi je fais la mienne. Il y aura moi, il y aura d'autres créateurs. Faut juste payer l'entrée et après tout est gratuit. Genre la bouffe, les activités, absolument tout est gratuit. Donc tu te mets super bien en vrai. Et en plus, vous êtes avec nous, donc encore plus drôle. Il y aura même un buffet à volonté. Donc tous les rats qui veulent venir avec des petits plats et tout pour tout emporter chez eux, vous pouvez les gars, y a aucun problème. Entre rats, on se comprend. Donc les gars, je vous attends de pied ferme. La date et le lieu s'affichent juste ici. Donc les gars, j'ai hâte de vous voir là-bas et on commence la vidéo maintenant. Donc les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai trouvé des nouvelles vidéos incroyables sur internet. Des trucs où tu te dis, mais comment c'est possible? Et du coup, aujourd'hui, on va réagir à ça. J'espère qu'il y aura des vrais bangers et on commence la vidéo. Maintenant, je sais pas pourquoi je fais ça. Attends. Mets ton pouce bleu d'abord. Eh, abuse pas, gazo. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu te poses et on commence. Ok, les gars, là, on commence avec la première personne. Lui, il a un pouvoir de ouf. En gros, tu vois ta langue. Et bah, lui, il va pouvoir gonfler sa langue comme un ballon. Et là, tu te dis, on est vraiment sur une vue de Rayton. Je suis pas sûr qu'il a réussi à pêcher beaucoup de meufs grâce à ça. Ouais, c'est bizarre. On dirait, mâche un très grand chewing-gum. Ou un cerveau. Oh, mec, c'est absolument dégueulasse. Je suis déjà dégoûté. Ok, il lui fait quoi? Ok, il sort de sa voiture. Alors là, on peut vraiment sortir la punchline de Kobalade. Tu me vois pas venir comme la mort. Mais là, Koba, il avait raison. Mais le gars, il a vraiment vesqué un bus. Moi, déjà, c'est sûr, je me le serais pris. Et en plus, j'aurais kiffé. Là, mec, c'est bizarre. Attends, vraiment, attends. Regardez sa réaction. Il se relève en mode, ouais, c'est normal. Et en plus, il recommence. Frère, quand t'as frôlé la mort une fois, tu retentes pas. Il a récidivé. Ok, les gars. Là, maintenant, je vais jouer la vidéo. Il y a aucun contexte. T'es prêt? Oh. Holy. Ça, c'est une embrouille. Tu vois, nous, en général, quand t'as la récré, t'es avec tes billes, tes cartes Pokémon, tu dis que tu vas te battre et tout, mais il y a jamais de bagarre. Et là, tu vois, là, il y a vraiment eu bagarre. Go, élan. C'est pas drôle. Non, mais je sais pas, mais je trouve ça impressionnant parce que, tu vois, moi, les élans, c'est des animaux où, genre, pour moi, ils ont l'air trop chill. Genre, j'ai l'impression que je peux être pote avec eux. Mais en vrai, c'est des nerveux, gros. Ils prennent des nuggets, le serveur, il oublie la sauce, bam, coup de boule. Enfin, coup de corne. Mec, les élans, c'est des nerveux. Ok, les gars, là, ça va être super intéressant. En gros, il y a un méga tremblement de terre dans une tour. Sauf que la tour, en fait, elle est équipée pour résister au tremblement de terre. Du coup, quand la terre, elle va trembler, les gens ne vont pas trembler. C'est ça qui va être bizarre, regardez bien. Les gens, juste, ils courent et ils continuent de taffer. Elle est en mode, hey, meuf, on se retrouve à la pause déj et tout. Genre, alors qu'il y a clairement genre tout qui est en train de casser. Mec, c'est incroyable. Les humains, c'est quand même des gros forceurs. La Terre, elle te dit clairement, tu ne peux pas mettre de building là. Elle te fait des tremblements de terre pour t'expliquer que tu ne peux pas. Mais les humains, ils sont trop ingénieux, c'est des forceurs. Du coup, ils créent des buildings qui suivent vos tremblements de terre. What? Ah, lui, il veut du... Wesh, on dirait un dealer. Il est en mode, tu veux du lait au chocolat? Très bizarre, ce petit. Hein. Lui, il va mal tourner, je le sens. Comme le lait, il va tourner. On est marre. Les chiens, c'est vraiment les meilleurs animaux, je veux en savoir. Mais what? Non mais mec, ce chat, il était quand même en pété. Il était sous pétou toute l'année, mec, c'est pas possible. Mec, ce chat, il était cuit. Non mais regarde-le. En fait, c'est les chats les meilleurs. What? Non mais attends, mais là il montre trop sa force en fait. Là il est en mode gazo, il veut montrer les muscles. En fait c'est un rhinocéros qui est en fait dans un zoo. Et juste comme ça, sans aucune raison, il a décidé de montrer la puissance du rhino. Est-ce que t'as déjà douté de la puissance du rhino? Je crois pas, parce que c'est impossible. Mais regarde comment il est vénère. Wouah. T'imagines là il le lance et tout, ça intéresse sa tête, il fait un arbre flip. Oh ouais. En plus ça lui fait des tours et tout. Ne refais jamais ça. Mais c'est quoi ça? C'est un ça? C'est un singe, un chien, un hippopotame? Mais en fait c'est que des animaux bizarres. Wow. Attends, là les gars, je vous explique. En gros, c'est un scarabée, sauf qu'en fait, il est sale. En fait, là, tu sais, t'as l'impression qu'il est propre, mais vous voyez, toutes les petites taches, c'est des mites. En fait, il y a des mites qui se sont collées à sa carapace. Et du coup, là, vous allez voir pour la première fois de votre vie un insecte se laver. Mec, ça va être chaud, hein. Oh ouais, c'est un insecte de luxe, là, quand même. Oh, il kiffe. Tu sais, c'est devenu l'insecte le plus stylax du quartier. C'est le seul qui est propre. Genre, toutes les femelles, elles doivent être en mode... Tu sens si bon l'eau de Javel. C'est quoi ça? Good job.
Attends, quoi? Les chiens, ils sont louches, hein. Ils tapent dans les poches et tout. Moi, la fois, il m'a tapé dans les couilles. Là, maintenant, les gars, on va regarder une autre vidéo, mais à l'intérieur, il y a que des dingues, je vous préviens, par contre. Imaginez-vous, vous êtes dans l'océan, d'un coup, il y a une baleine qui débarque. Oui, imaginez quand même un peu. Tu vas devoir vesquer la baleine à ça. Regardez. C'est incroyable. Une baleine, c'est vraiment gazo. T'imagines, ça, c'est presque aussi puissant que les torgnoles que me mettait ma daronne. Ma daronne, elle prenait le fer à repasser, bang, tu vois. Mais ça, c'est presque aussi puissant que ma daronne. C'est pour ça que j'ai le visage tout carré et déformé. Tu sais que la porte était ouverte, elle était pas fermée à clé, hein. Tu pouvais juste l'ouvrir. Le gars, il a préféré se déboîter l'épaule, il a perdu un membre. Non, non, mec, c'est un homme plastique, c'est pas possible. J'y crois pas. Non, 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 non. T'es pas prêt du tout là, par contre. C'est vraiment moi la salle. Je pousse des cris d'agonie pareil. Mais il est devenu une crêpe. Genre, non, mec, c'est pas possible. Il peut pas. Non, moi j'y crois pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire pour vous, c'est fake ou pas. Là, par contre, je suis vraiment perdu. C'est flippant. On dirait la mort en fait. On dirait trop les poupées dans Poppy Playtime. Et on dirait encore plus les poupées dans les films d'horreur. C'est sûr que cette poupée là elle bouffe ton âme, tu vois ce que je veux dire. En gros, pour vous expliquer, en fait une mère a acheté deux poupées, une qu'elle a gardée pour elle et une qu'elle a donnée à l'enfant, mais c'est la même poupée. Et il y en a une, l'enfant a joué avec et l'autre non. Et tu te doutes très bien que c'est pas celle-ci. C'est clairement celle-ci, mec. Moi c'était pareil. Genre mes doudous quand j'étais petit, je les ai mais massacrés. Un jour je les ramènerai en vidéo, mais je les ai, je leur ai fait du mal. Franchement, c'était sale, c'était illégal. Ça, c'est un volcan qui explose. Wow. Mec, on voit ça depuis l'espace, les gars. C'est un volcan. Hein. Incroyable. Ok, il se passe quoi, là? Ce n'est que de la poudre aux yeux. Il a clairement disparu. Putain, ça me donne trop envie d'aller au ski. Genre, moi, j'ai toujours envie d'aller au ski quand on peut pas aller au ski, en fait. Parce que c'est l'été et il n'y a pas de neige. En vrai, le ski, c'est trop bien. Mais juste pour ça, en fait. En fait, tu vas au ski, mais pas pour faire du ski. Juste rester à l'appart, c'est bien aussi. 3, 2, 1... C'est trop stylé! Mec, c'est un jour, je fais une reconstitution d'une bataille médiévale. Mais je prends ce mec, il est trop fort. Si tu te prends un rocher enflammé dans la tête, je pense que tu meurs. Mais au moins, ça sera bien amusé. Ok, il veut quoi, l'écureuil? Wesh, Speedy Gonzalez. Bon, c'est aussi un débile mental, mec. En fait, genre, tu sais, en général, les vidéos, tout se passe bien. Puis d'un coup, c'est comme, je sais pas, genre, tous les matins, quand tu te lèves, tu t'étires un peu, tu bailles, tu regardes TikTok. Et d'un coup, on est d'accord, on se casse tous une brique sur la tête. Il y a comment qui fait ça? Oh, ça les gars, c'est un oiseau qui est resté bloqué dans un avion qui allait des États-Unis à l'Europe. Donc en gros, les plus longs trajets. Genre, mec, c'est devenu un oiseau VIP. Ça, imagine, après, il va voir les autres oiseaux en Europe. Tu penses qu'ils parlent la même langue en tant qu'oiseau? Genre, vu qu'ils sont pas du même continent. Tu penses que chaque oiseau, ils ont une langue? Genre, il va parler avec un pigeon, il va se faire racketter. C'est un pigeon comme ça. Genre, casquette, TN, sacoche. Il va lui proposer un 10 balles, il va voir flou. Alors, c'est des biches qui lèchent une chatte. Attends quoi, ma biche lèche ma chatte quoi? Non mec, c'est énorme. I got a video. Mais ça n'a aucun sens. Et en plus le chat il kiffe, les chats vous êtes chum. Attends. Les gars, il faut que je mette en contexte là ce qui est en train de se passer. En fait, il y avait les toilettes des mecs et il y avait tellement de mecs dans les toilettes que la police a dû venir pour les virer. Regardez le nombre de mecs. Mec, mais c'est les toilettes ou c'est Disneyland, mec? Comment c'est possible qu'il y ait autant de gens dans un si petit endroit? Non mais ils font cours aux toilettes, mais what? Et en plus c'est même pas fini, la vidéo s'est coupée, c'est même pas fini. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient tous dans les toilettes? J'en ai pas la moindre idée. Ça avait l'air trop mignon. Je veux un oiseau maintenant, cote. Putain, c'est exactement comme ça que je vois ma daronne quand elle essaie de m'engueuler. Ce regard méprisant, mais petit et sournois. Même une souris, tu vois, elle voit le chat, elle se fout sa gueule. Ok, là les gars, vous avez sûrement cliqué pour la vidéo pour ça. C'est une personne qui sait étendre son oreille, tel un élastique. C'est dégueulasse. Elle en fait un
TikTok. C'est du génie. Ça veut dire la meuf, on lui a doté d'un super pouvoir qui était pas ouf à la base. Genre franchement, étirer ton oreille, on s'en fout. Elle a réussi à le retourner pour que ça devienne un truc stylé. Moi bon, après, de tous les super pouvoirs, c'est sûrement le pire. Mais au moins, elle a tourné à son avantage. Et elle a tourné un TikTok. Mais moi, je vous le dis, les gars, je pense que l'humain, il est en train de muter. On devient tous des mutants, on a tous des petits super pouvoirs, tu vois. Chacun a le sien. Par exemple, moi, je sais craquer mes pouces. Ça ne sert à rien, mais je sais le faire. Là, il coupe un arbre. C'était mon arbre favori. C'est moi, les gars, il y a un raton laveur juste là. C'est Rayton. Rayton laveur. Les gars. Ils m'ont volé ma maison, t'as vu, j'ai dû me barrer et tout, il y avait les caméras, ça m'a cassé les couilles, tout le monde me filmait, j'étais en mode non, pas de photos et tout. Moi je fais que les photos avec mes abonnés. J'en ai marre les gars, je dois changer d'arbre tous les jours. Tapez soutien à Rayton dans les commentaires. Ah ouais, alors lui par contre il est pas futé hein. Oh! Mais mec, c'est méga dangereux! Là, il oublie pendant une seconde où il se trompe d'un millimètre. Il se prend une flèche en pleine tête parce que c'est un très bon viseur. Et là ils ont trop de skills, tu vois. Ok, là c'est un chat qui découvre la nouvelle caméra de sécurité. Tout va bien, c'est trop drôle. Vraiment, la caméra de sécurité, tu vois ça. En vrai, je sais pas ce que tu dois penser, mais je pense que tu tapes une méga barre. Hein. Ça se voit, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, c'est un truc humain, ça encore? Les humains, ils me cassent les couilles. Oh! Les gars, c'est des lasers. Moi, je vous dis, les lasers, c'est le futur. Je pense bientôt, on pourra tous dessiner avec des lasers et tout. Oh, ouais, mais c'est trop stylé, les gars. Ça, pour moi, tu vois, c'est le futur. Je pense bientôt, on va tous pouvoir designer nos fringues et tout avec des lasers. Et ça, tu les verras que la nuit. Oh, les gars, ça, c'est sur Mars. En gros, il y a eu une petite tournade sur Mars et elle a été filmée, les gars. Bon, ouais, c'était une petite tournade. Ok, une chaussure. Ok, c'est incroyable. T'as du talent, t'as du talent. Bon alors, après c'est inutile, mais t'as du talent. Ah, il a envie de l'écureuil chez lui. Oh mec, c'est le plus mignon, maintenant je veux un écureuil. Webedia, donnez-moi un écureuil. Sinon je quitte Webedia. Ce mec est trop énervé. En vrai, c'est trop bien les gars. Moi je kiffe faire ce genre de vidéo, on réagit à des trucs chill, on est détente. Là cette vidéo je la fais en mode full détente. Là les gars, c'est un hot dog, sauf que le hot dog, ils l'ont fait avec de la lave. Là c'est littéralement de la lave. Mais on dirait clairement une saucisse. Bon après je pense que ton hot dog il est un peu chaud. Attends qu'il refroidisse avant de le manger. Oh un éléphant. Oh, c'est Gazo! Bon, Gazo, il démarre tout le monde. C'est typiquement Gazo. C'est clairement Gazo, il a démarré tout le monde. Mec, pourquoi? Genre, mec, ils étaient paisiblement en train de manger. Il y avait genre une union parfaite entre les humains et les animaux, tu vois. Ils avaient signé le traité de paix, comme ça, ils s'étaient serré la patte. Et pourquoi t'as démarré tout le monde? En plus, il fait ça d'une manière super pacifiste. Il n'y a pas un bruit, juste il a démarré tout le monde. Il n'y a pas d'autre dû aimer la bouffe. Oh, c'est une tortue qui éternue, c'est trop mignon. Wesh. Oh, oh. Les gars, c'est moi, c'est un singe. Oh. Mec, il prend un bain. Eh frère, il fout du bordel partout. Quand j'étais petit, ma mère, elle lui disait, pourquoi il y a de l'eau partout dans la salle de bain? Parce qu'il y avait un singe. Il y avait moi. Attends, mais ça, c'est incroyable, par contre. Les gars, ça, en gros, tout ce que vous voyez là, c'est des satellites qui tournent actuellement autour de la Terre. Ils sont en temps réel. C'est-à-dire que là, tout ce que vous voyez, actuellement, toute ta tête, t'as tout ça, mec. C'est incroyable. Il y a autant de satellites que ça, mec. Non mais en vrai, c'est une dinguerie. Oh, il va danser. Oh, oh, il est chaud. Pas incroyable. Les potes, cette vidéo touche à sa fin. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour rejoindre la communauté. Et suis-moi sur Instagram si t'es un méga gros gazo. Et n'hésitez pas à aller utiliser le lien dans la description pour vous inscrire à Midfluencer et pouvoir venir le 28 mai me rencontrer et rencontrer d'autres créateurs. Les gars, tout est dans la description. Je vous attends là-bas, je compte sur vous. C'était Rayton. Et ciao.